Alors voici un petit tuto pour expliquer les assemblages. Donc là j'ai ouvert à peu près toutes mes pièces de mon bateau, hein. Donc c'est un exemple, après ça sera à vous d'adapter en fonction de votre bateau que vous avez conçu. Donc là mes différentes pièces sont ouvertes. Donc là on voit bien mon récepteur, j'ai les coques, j'ai le moteur, j'ai le clipse moteur, j'ai l'équerre qui va me permettre de tenir mon moteur en biais. Donc là je vais faire nouveau. Et donc là, du coup, ce n'est plus une pièce, mais c'est un assemblage pour réunir justement toutes ces différentes pièces. Alors, je vais ouvrir celle sur laquelle on va s'appuyer, c'est-à-dire la coque. Donc, ma coque, elle est ici. Donc, je vais commencer par mettre ceci. Une fois que j'ai mis ma coque, je vais insérer mon récepteur radio. Voilà. Alors mon récepteur radio, on va le mettre devant. Donc là, je le mets pour l'instant au pif. Et donc là, c'est là où on va rajouter des petites contraintes qui vont permettre d'imposer une disposition. Donc là, on voit bien qu'il est mis un peu n'importe comment. Donc en faisant échappe et je vais choisir ma vue du fond, je vais lui dire contraint. Donc c'est une contrainte. Donc mon plat de mon récepteur, je veux qu'il se mette là. Parallèle. Là, on voit que la disposition, on voit bien que les deux plans sont coïncidents, mais on voit bien qu'il n'est pas encore placé. Mais pour l'instant, c'est bon. Donc là, je valide. Il va me falloir une autre contrainte. Donc, mon autre contrainte, je vais me rapprocher un petit peu. Donc, ça va être ce plan-là. Contraint. Alors pas forcément avec celui-ci, tout dépend si je veux tourner. Donc là on voit que ça pourrait être bon, mais il faudrait que je tourne ma pièce. Donc là il y a un petit icône qui permet de tourner légèrement ma pièce. Donc là, ok, ça peut être bon. Et il me manque une dernière contrainte, c'est-à-dire cette arête-là par exemple. Hein, je peux prendre très bien une arête hein, avec ma face. Je vais les mettre coïncident. Toc, j'enlève. Ça. Et donc là, il me propose automatiquement, je valide, c'est bon. Donc là, voici déjà une première contrainte pour mon récepteur radio.